Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je voulais vous parler de quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, surtout notre génération, la lecture, la mémoire, faire travailler notre cerveau, sachant que c'est un muscle. On va pas se mentir, on laisse ça tous de côté et c'est quelque chose qui est très très important. Alors pour ma part, j'ai perdu énormément de mémoire parce qu'il faut savoir que la mémoire est un muscle, donc il faut le travailler. Du coup, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé une méthode avec un certain Mohamed. Peut-être d'entre vous, vous le connaissez. Je vais vous en parler plus en détail. Du coup, j'ai décidé donc de travailler sur ma mémoire et donc j'ai appris à connaître Mohamed Boclet, donc qui est champion donc de la lecture rapide et donc de la neuroscience. Donc j'ai appris ça. Et franchement, c'est super. Donc Mohamed Boclet, c'est quelqu'un qui travaille sur la mémoire et sur l'efficacité du cerveau. Je pense que vous le connaissez, enfin peut-être d'entre vous, il passe sur RTL, enfin il est très très connu et franchement sa méthode est juste incroyable. Bon, vous devez vous dire, elle me parle de Mohamed Boclet, c'est génial, mais comment faire pour le rencontrer? Eh bien c'est très simple, en plus c'est gratuit. Il va faire une conférence en ligne donc ce dimanche à 18h, il va pouvoir répondre à toutes vos questions, il va nous donner des méthodes pour la mémoire et franchement c'est super. Faites-moi plaisir, soyez en ligne à 18h ce dimanche. J'y serai aussi également sur son sur sa conférence en ligne. Je serai là pour regarder aussi comme vous ses méthodes et franchement c'est super. Je vous mets le lien juste en bas. En plus de ça, comme je vous disais, c'est gratuit. Vous allez développer vos compétences, votre mémoire et votre cerveau. Donc rendez-vous ce dimanche à 18h pour la conférence de Mohamed Boclet. Soyez tous au rendez-vous, je vous remets le lien juste en bas. Si vous voulez gagner du temps ou utiliser votre temps libre à bon escient mais que vous ne savez pas pourquoi vous voulez l'utiliser, eh ben forcément votre cerveau ne va pas y aller. Donc il va falloir définir un objectif. Je sais pas, un objectif de lecture, un objectif de sport. Peut-être que vous avez besoin d'utiliser votre temps libre à faire